Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC Le Trône Sombre. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter une big astuce pour recharger votre Wunderbuss, donc en illimité. Vous n'avez pas besoin de munitions max, vous avez juste besoin soit du piolet ou soit de la hache, enfin du Tomahawk. Donc voilà, alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec le piolet ou le tomahawk, vous pouvez courir plus rapidement. Regardez comme je cours vite. Et si vous cumulez courir vite, eh ben vous pouvez courir en illimité. Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas courir vite, ben vous devez reprendre votre souffle. Et là, comme j'ai courir vite, j'ai pas besoin de reprendre mon souffle après avoir fait un sprint avec le piolet ou alors le tomahawk. Alors, il faut savoir aussi que ça va vous donner des jolts supplémentaires. Ça va vous donner des équipements supplémentaires, donc genre des grenades ou des lancers de couteau. Ou alors ça va vous donner des munitions. Alors faut savoir que ça donne 75% d'un chargeur. Mais faut savoir aussi que le Wunderbuss a 100%, donc a un seul chargeur de 100% de balles. Donc si vous attaquez et que vous récupérez des munitions, vous aurez 75 munitions de Wunderbuss, donc ce qui équivaut aux 3 quarts de l'arme. Par contre, c'est pas avantageux si c'est sur un chargeur par exemple de mon P08, j'ai 15 balles dans le chargeur. Donc quand je vais faire un kill pour récupérer des munitions, j'en aurai que 12. Donc c'est pas avantageux. Par contre pour le Wunderbuss, c'est totalement cheaté. Donc je vais vous montrer ça. Tout simplement, je vais user mon Wunderbuss, voilà comme ça. Et puis après je vais prendre mon Tomahawk ou mon piolet, ça fonctionne avec les deux. Et je vais tout simplement faire une attaque chargée. Alors il faut que je sprint et que je laisse mon doigt appuyé sur R2 pour charger. Et là il m'a donné des équipements mortels, donc il faut recommencer. On essaye un autre, hop. On charge, bon là ça va pas fonctionner, parfois ça fonctionne pas, mais ça fonctionne très souvent. Alors, en plus quand vous faites ça, ça fait une attaque genre une onde de choc sur les autres zombies, mais uniquement avec le Tomahawk, ça, hein, parce que le piolet ne fait pas une onde de choc autour de lui quand vous faites une attaque chargée. Donc vous avez pu remarquer que ça m'a rendu 12 munitions de mon P08 et regardez, je suis retourné à 100 munitions de mon Wunderbuss. Donc je vais vous le remontrer une fois, donc je vais bien vider mon Wunderbuss à 100%. Comme ça vous verrez bien que c'est 75 munitions, donc 75% de votre chargeur qui se recharge. Alors voilà, je suis à la fin. Donc hop, on prend notre piolet ou alors notre Tomahawk, on charge un zombie. Donc là ça va pas fonctionner. On en charge un deuxième, là ça va pas fonctionner. On en recharge un troisième, voilà, là ça a fonctionné. Ça fonctionne pas à tous les coups. Donc là j'ai récupéré 12 munitions de mon P08 et j'ai récupéré 75 munitions de mon Wunderbuss. Donc je crois que ça vous donne un chargeur complet parce qu'en fait 12 munitions, j'ai pas 15 munitions dans mon P08, j'en ai que 12. Donc c'est possible que ça donne un chargeur complet. Mais je sais pas pourquoi alors ça donne 75% de Wunderbuss. 75 munitions de Wunderbuss. Mais bon, après, vous pouvez toujours le recharger à 100% tout simplement en refaisant une attaque. Donc regardez, ouais, j'ai bien récupéré 12 munitions de mon P08 et j'ai récupéré 75% de mon Wunderbuss. Donc là, ben, ça fait 100%. Donc voilà, c'est tout pour cette petite astuce. Donc ça va vous servir grandement au boss parce que si vous voulez faire le boss en speedrun pour le défi, la Wunderbuss est vraiment cheatée pour niquer le boss le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça que je vous présente cette big astuce pour pouvoir vous aider au boss et j'espère que cette astuce vous aura aidé. En même temps, ça peut servir aussi si vous voulez faire de grosses manches et récupérer des munitions. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace.